vous iriez on the road again avec André Manoukian? Ah, ça, avec plaisir. Bon, bah, c'est parti. Sans Michel, à ce moment-là. C'est pas... Ah, ok, on y va. Ça va, fais ton marché, sur coup. André, Chantal, Chantal, André. Chantal, je vais prendre la même voix que vous. Barry White. Vous commencez la journée avec I Want to Break Free de Queen. Oh, nice. I want to break free. Ah là là. I want to break free. I want to break free from your life. Chantal, il y a un petit souci en plus de ma voix, c'est que cette chanson, c'est quelqu'un qui est en train de dire à son amant, je veux me tirer, je veux être libre, ouais. Et j'ai enfin trouvé l'amour. Mais pourtant, on ne s'était pas vu encore. Alors, je me l'apprends parce que je ne comprenais pas les paroles. Mais on la garde quand même. Ah, on se réveille le matin. Alors, Chantal, quand elle a un petit coup de blues, elle se met Alléluia de Leonard Cohen. Ah ouais? Moi, ça finit de m'achever, mais d'accord. Bah, c'est ouais. Ça. Alors, je ouais. Ouais, ouais, comme Chantal. Ça me fait pleurer. Ouais. Ça, on ouais. Vit d'un bon coup, on écoute de la musique ouais. Triste. Oui. On oui. Touche le fond avec le morceau et après, mmh. On va bien. Et puis, on rebondit. Ouais. C'est ça. Alors, là, c'est pareil, les paroles sont un peu terribles. Hein. En fait, c'est quelqu'un qui dit à Dieu... Tu connais rien à la musique, en fait. Elle comprend rien. Putain, oui, si, j'ai pas écouté les paroles. C'est quelqu'un qui dit tout ce que tu sais comprendre, c'est quand on chante Alléluia, mais en plus de ça, il est froid, il est triste, cet Alléluia qu'on chante. Donc surtout, les gens qui se marient, ne mettez pas cette musique, parce que c'est une chanson assez désespérée, ah bon qui fait presque... j'allais dire, c'est une chanson aussi qui est très sexuelle. À un moment, il n'y a que des images comme ça. À un moment donné, il y a... Tu me rappelles ce premier amour, elle m'attachait sur une chaise et puis, enfin, elle me faisait ça, des trucs. Ça, oui. Donc, c'est dingue. Alors, ça veut dire que... Ouais, c'est ça. Moi non plus, je ne l'avais pas comprise. Ouais, on... Alléluia avec faut, une femme attachée à une chaise. Il faut lire les paroles, quoi. On oui, est sur vrai. Une... On est sur une allusion biblique, mais avec des connotations sexuelles ah, terribles, avec du doute et tout. Ben, je ne savais pas. C'est quoi après alors, la playlist dit, de Chantal? Alors maintenant, elle aime bien faire l'amour sur Richard Cauchy. Ah bon? Ah, on adore. Je suis dans un temps quand tu t'en vas. Ouais. La nuit. Mais tu n'es pas là. Alors quand même. Pas dire ça, son mec. Ah ouais. Tu fais l'amour, c'est d'un coup douteux. Mais, oui, Michel. Non, quand il n'est pas là. En fait, c'est loin des yeux, loin du cœur. Mais c'est pas mal. Mais quand il n'est pas là, il me manque. Ah, ah voilà. Ouais, c'est ça. Et ça, les paroles, vous les comprenez en français? Mais ou... ça. Là, pareil, bon, sexuellement, on ne va pas épiloguer. Avoue qu'elle est quand même très testostéronée, cette chose. Elle est très testostéronée, mais enfin, il faut qu'il soit là, Michel. Quand ouais, vous avez la même voix, là. Hein. On est d'accord. Ouais. J'en ai pas quand il est là, j'ai pas envie. C'est vrai. Quand il est parti. Bon, ça va. Et puis là, maintenant, une chanson pour vos petits-enfants. Ouais. Ah. C'est Philippe Catherine. Et c'est encore une chanson un peu sexuelle parce que c'est la banane, quoi. Ah bah oui, non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane, non mais laissez-moi, non mais laissez-moi. C'est pas vraiment pour les enfants. Ouais. Ah bah je l'ai appris à mon petit-fils. C'est pas grave. Pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est bon les gars.